Bonjour chers amis, vous aimez les origamis? Si oui, vous avez de la chance. Aujourd'hui, nous allons réaliser différents travaux manuels en papier. Hé, quelqu'un a dit origami? J'adore faire des origamis. J'apprécie ton enthousiasme, Samy, mais tu ne fais que me perturber. Je fais quoi alors? J'ai hâte de créer quelque chose en papier. Pourquoi n'utilises-tu pas toute cette énergie pour me rapporter plus de papier? Et vous les amis, regardez mes mains. Il est très important de faire ses plis des deux côtés, vous voyez? Maintenant, je vais tout déplier et commencer à faire ça. Faites très attention sur cette partie. Voilà, découvrez sa nouvelle forme. Chouchou, mais d'où est-ce qu'il sort? Ah, génial! C'est exactement ce dont nous avons besoin! Oh, merci, Samy! Maintenant, laisse-moi les plier rapidement. Super! Maintenant, assemblons-les. Première étape. Maintenant, ça va comme ça. Et puis, celui-ci va en haut. C'est un peu délicat, je sais, mais je suis sûre que vous adorerez le résultat. On a eu un cube! Qu'est-ce que tu en dis, Samy? On joue? Ça a l'air tellement amusant. Oups, je pense que j'ai faim. Ouais, je pourrais aussi manger quelque chose. Tu sais, ça m'a donné une idée pour notre prochain bricolage. On devrait faire un beau gâteau. Non, mieux, une création avec des bonbons. Non, non, un beignet. Ouais, bien essayé, petit gourmand. Nous allons créer un pop-it avocat. Quoi? Pas de bonbons? Ce n'est pas juste. Désolée, c'est juste que l'avocat est tellement mignon. Je ne pouvais pas résister. D'accord alors, je suis pour la mignonnerie. Génial! Je participerai même à rendre cet avocat encore plus mignon. Oh, c'est tellement gentil. Bon travail, Samy. Maintenant, assemblons tout ça. C'est parti! Il devrait être bien soigné. Eh bien, qu'est-ce que t'en dis? Waouh! Laisse-moi aussi appuyer sur le pop-it! Et la meilleure partie, notre pop-it fonctionne également comme une gomme. Ah! J'ai tellement faim! Et si je prenais juste une petite bouchée? Non, Samy, tu ne peux pas le manger, pas question! Mais je meurs d'envie de le manger! Attends, j'ai quelque chose pour te distraire. J'espère que c'est savoureux, je veux dire inspirant! Sinon, je vais manger tout ce que je trouve! Tu vas l'adorer, je t'assure! Donne-moi juste quelques minutes! 2 minutes! Le temps presse! Quoi? Je suis à l'heure, là! Ok! Le temps a été coulé. Dommage que tu n'y sois pas arrivé. Je commence à manger tout ce que je vois. Maintenant. Hey! Arrête de faire l'imbécile. Pourquoi tu n'irais pas me chercher un marqueur plus tôt? C'est moi qui dessine le visage. C'est fait. C'est mignon. Laisse-moi juste assembler les dernières pièces et voilà. C'est un petit singe et il s'amuse bien. Ce singe se moque de moi. Donne-le-moi ici.
Wow, wow, wow! Doucement, Tiger! Quoique, tu tournais tellement fort que maintenant, je veux le mettre sur papier. Quoi? Peu importe, je suis prêt pour un nouveau loisir créatif. Nous allons fabriquer une toupie. Pour ça, nous aurons besoin de papier, bien sûr. Wow! Comment tu as fait ça? Tu peux m'apprendre, s'il te plaît? Ok, on se concentre. On ne fera pas une, mais plusieurs feuilles de papier de différentes couleurs. J'essaye. Ça ne marche pas. Je devrais peut-être tourner plus fort. Waouh! Tu vois aussi ces oiseaux? Oh, Sammy, Sammy! Je pense que tu ferais mieux de t'allonger. Et vous, les amis, regardez attentivement. Génial, non? J'ai besoin d'une brochette en bois ou quelque chose du genre. Et maintenant, le moment tant attendu, le grand lancer de Sam. Il l'a fait! Il l'a vraiment fait! Hourra! La foule acclame, les fans sont en délire! Regarde la super toupie qu'on a fabriquée! C'est parti! Je ne me suis jamais autant amusée depuis que j'ai fait la course avec les grenouilles à Tibidaba! Excellente idée! Tu dois encore attendre longtemps! Je vais sauter avec les grenouilles ici! Oh, désolée, mais je n'ai plus le bon papier! Heureusement qu'il reste encore beaucoup de poissons dans la mer, pas vrai? Tiens, le déchet des uns est le trésor des autres! Bien vu, Sammy! J'aime ta façon de penser! Vous êtes prêts, les amis? 3, 2, 1... Que le pliage de papier express commence! Alors, Sammy, quand est-ce que tu es devenue si sage? C'est difficile de rester là même après une journée dans l'étang entouré de grenouilles, Suzanne. Oh, waouh! Ça a dû être une journée très enrichissante. On a terminé. Oh, attends. Fabriquons un ami pour notre copain. Quoi? Quoi? Jean, Jacques, c'est vous? Vous m'avez tellement manqué, les gars. Aïe! Hé! Aïe! Qu'est-ce qui vous prend? Comment j'ai pu oublier? Mes amis grenouilles étaient de vrais ninjas. Ils avaient même des shurikens et tout. Non, au secours! Des shurikens, tu dis? Comment tu trouves ce shuriken, Sammy? Tu l'as déjà fait! Waouh, c'était rapide! Maintenant, lance! Lance! Ça ne fonctionne pas très bien, Su. Bien sûr que non, parce que c'est juste un croquis. C'est maintenant que je commence à fabriquer un shuriken. Donne-moi juste une minute. J'en ai marre d'attendre. Et si on lançait cela, il pourrait servir de shuriken. Allez, Sammy, ne fais pas de désordre. Quoique, ces morceaux de papier sont exactement ce dont j'ai besoin. Waouh! Assemblons tout ça. Ça devrait être super cool. Sammy, attrape! Trop cool! Tu sais, ça me rappelle quelque chose. C'est coloré et ça tourne. Je sais! Ça ressemble à une toupie. C'est tellement génial qu'on ait eu la même idée. Tu l'as dit, notre travail est parfaitement synchronisé. J'ai l'impression que je peux même finir ta... création! Tu allais dire création, pas vrai? J'allais dire ta phrase, mais ta création fera aussi l'affaire! Oups, j'ai presque eu juste... Regarde, on a presque fini. Je dois juste insérer le cure-dent, comme ça, et coller deux morceaux de carton des deux côtés. Fais-la tourner ici! Fais-la tourner bien fort! Oh non, je ne me sens pas très bien. Félicitations, Sue et Sam. Vous avez passé tellement de temps à plier du papier que vous avez atteint le niveau diamant. Il est temps pour vous d'apprendre l'art secret et super cool de l'origami. Waza!
Faut arrêter ça, maître de l'origami. Ça chatouille. Étrange, je ne sais pas comment, mais je viens d'avoir une idée pour mon prochain bricolage. Alors c'était quoi? Cette extrémité va ici et ensuite celle-ci va. Ouh, tu as un peu d'aide. Laisse-moi voir. Si je me souviens bien, ça devrait être quelque chose comme ça. Waouh! Ouais, c'est vrai! Maintenant, je commence à me souvenir de tout. Super! Alors, continuons. De mon cœur de papier au tien. C'est chou! Mais on jouera avec plus tard. Il reste beaucoup d'étapes à faire. Regarde cette chenille, c'est tellement amusant. Mais j'ai l'impression qu'il manque encore une chose. Waouh, c'est donc à ça que sert ce bricolage top secret. C'est sympa et tout, mais j'en ai un peu marre de fixer des trucs. Je sens carrément l'énergie vibrer en moi. Juste ne démolis pas la maison. Que faire? Qu'est-ce que tu penses du foot? Très bien, Samy, je te laisse sortir, mais utilise toute cette énergie pour m'apporter du papier, d'accord? Sacré canoli! J'espère qu'il n'a pas oublié le papier. Quoi? Waouh! Oh, ne t'inquiète pas, pour moi, j'ai juste fait le tour de la Terre. J'ai ramassé quelques papiers que tu m'as demandé. Tu veux dire, genre, le tour du monde? J'aimerais avoir quelques trombones à porter demain. C'est déjà fait! Vos trombones, madame! Oh, merci! Mais revenons à notre bricolage. Il y a beaucoup de tissage à faire. Maintenant, je peux les enlever. Alors, ce ballon de foot est cool ou non? C'est courageux de ta part de défier le meilleur joueur de foot de tous les temps! C'est qui le meilleur joueur maintenant? Et puisque j'ai gagné, je choisirai la prochaine création. Hé, Sue, regarde ça! Je ressemble à un pan. Oh, tu vas les froisser. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Essaye de m'attraper. En ce qui concerne notre bricolage, c'est là qu'on doit tout coller ensemble. Ça fera une bonne base. Très bien. Maintenant, je vais assembler toutes les pièces très rapidement. Regarde cette beauté. N'est-elle pas jolie? Mais qu'est-ce que c'est? Un tourbillon? Oh, tu m'as encore donné une idée de bricolage. Ah tiens, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la bonne cause? Tu sais que tu n'avais pas besoin de boire toute l'eau pour prendre les bouchons, hein? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Oh non, je dois aller aux toilettes. Dépêche-toi. Oh, et prends de la pâte à modeler dans mon sac quand tu sors. Voilà. On l'utilisera pour sécuriser le bâton à l'intérieur de notre tourbillon et lui donner un peu de poids. D'accord, je ferai un dessin dessus alors. Je veux qu'il tourne plus vite que n'importe quel autre tourbillon dans le monde. D'accord, voyons comment il marche. Génial! C'est vraiment le tourbillon le plus rapide qui existe. Enfin, un problème résolu. Ouf! Je suis si fatiguée après tout ce bricolage. Je me sens aussi paresseuse qu'une chenille. Dans ce cas, on doit simplement te faire une amie-chenille. C'est tellement agréable de rester allongée comme ça à ne rien faire. Pourquoi tu t'allonges? On n'a pas encore terminé. On doit tout découper en suivant le motif. D'accord, patronne. Je vais le faire en un éclair. Tiens, j'espère que c'est bon. Parfait. Laisse-moi tout assembler. Je vais aider avec les pattes. Comme ça, notre chenille pourra marcher. Regarde ce joli petit visage. Je veux l'appeler Dolly. Ça y est, maintenant notre Dolly peut ramper partout où elle veut aller. Hé, je suis le plus rapide à ramper dans cette maison. Je vais te battre. Oh, j'espère que ça ne te dérange pas si je me joins à toi pour un repas. J'adore être une chenille. C'est bizarre. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, les amis. Ça compte énormément pour nous. On vous adore. Nom, nom. Ouais, à bientôt, les amis. Au revoir.